Lundi 6 décembre 2021, gros bonjour et bonsoir pour tous les fanatiques Cantiv la Kayo. Et c'est un plaisir pour nous avec vous aujourd'hui là, donc pour nous continuer à informer sur l'actualité en Haïti ou à l'étranger, comme d'habitude chaque jour. Et bien nous toujours et disponible, toujours disponible pour nous informer et sur ça qu'a traversé notre pays d'Haïti. N'a dit merci à tous ceux là qui toujours été à suivre canal ça, n'a dit merci parce que eh bien ou pas baisser les bras et nous même nous là en camper dedans et pour nous continuer eh bien informer ou quel que soit côté information et nous gain pour devoir aller chercher là pour tel pour vous. Un bras droit Nenel Kasi, un gros bandit, eh bien en bas code et nous va faire entendre déclaration papa et bandit ça qui lui même la guichet là sous dos Nenel Kasi qui t'a causé petite limon aujourd'hui et qui t'a causé petite était entré dans gang. Et bien tout détail ça nous porter pour en dans vidéo ça. Et puis gagne donc dossier assassinat président Jovenel Moïse là, et bien nous va le faire tendre plus détails et depuis qu'il est négocié commencé à manigancer Zack ça pour te fini avec la vie président Jovenel Moïse. Et puis gagne Anel Belize là qui et bien la bataille la kif kif là et fait qu'on est il va le journal Nek Genève pour et bien retirer Ariel sous pouvoir parce que sinon Matéli lui-même déjà président et dans élection qui est pour faire dans jour là. Restez connecté sur vidéo ça guys, n'a pas tourné. Papa Nenel Kasi nous connaît qui déjà et bien entraîne plusieurs jeunes dans département du plat précise gang mesdames messieurs n'a pas rappelé chef gang Guy demande pas pour nous en pour et bien côté que Nenel Kasi t'est entraîné monsieur dans dossier et militance pour le faire là faire manifestation al bloquer là oui. Al mette barricade et après Nenel Kasi balzam et fait le marché et fouiller moun c'était impliqué dans dossier braquage dans ville Miragouane. Et bien pendant que commissaire Miskali t'a mené opération arrêté plusieurs gangs n'a pas le même commissaire gouvernement ça que Fouqué Nenel Kasi et bien et monsieur était obligé justement prendre la fuite al cacher de côté pendant que commissaire Miskali t'a mené opération. Et bien pendant que monsieur fin tué Jovenel et bien commissaire Miskali relé on dit Nenel Kasi relé et bien bandi a dit ou mettre tourner pas d'opération t'a mené encore tout bagaille frère ou mettre tourner. Mais pendant monsieur tourner et commissaire Miskali même qui va manger un fret qui pas manger blier et bien dans quatre opérations de continuer à mener et bien monsieur jeudi dimanche là et après-midi dimanche là et bien bandi ça arrivé joindre l'amol dans quatre opérations parquet et Miragouane t'a mené de concert avec la police et bien arrivé stopper bandi si là et bien côté que monsieur arrivé joindre l'amol mais papa bandi a mais qui t'a intervenu non radio non et Miragouane lui mandé pour Nenel Kasi enterrer petit Libali parce que c'est Nenel Kasi qui gâche l'avenir petit li et c'est Nenel Kasi qui mettait petit qui entraîne petit dans voler après elle devine balzam pour camper des barricades et bien même zam ça c'était utilisé pour rançonner moun pour braquer moun dans ville là et bien commissaire Miskade font monter bourré et bien gagne bandi ça qui arrive jeune la molle mesdames messieurs et bien dit on capable faire moun vivre encore une fois et bien côté que parents victimes nan parents en dit bandia qui t'a demandé pour Nenel Kasi enterrer petit Libali et ben nous Nenel Kasi ça comme t'ai toujours dit Nenel Kasi ça son poison lié tout côté le passé li passé Miragouane li mette kidnapping li mette sécurité li vive Mariani li gen un réseau gang Mariani qui toujours fait kidnapping rançonner monde et dernièrement là nous comment la police te font intervention au niveau d'Elma et au niveau d'Elma et 40B, côté qui est arrivé dénicher et bien environ deux bandits est arrivé joindre là yo toujours petit monsieur Nenel Kasi yo. Donc Nenel Kasi ça le plus gros chef gang quoi c'est il a pris le plus gros chef gang quoi c'est Izo parce que monsieur côté le passé c'est gangsterisé le gangster Izo dans bas aux armes et même zam ça yo après yo mettez yo et bien pour rassonner monde et bien dites-moi on capable faire mieux vivre et justement voir côté qui est malé qui est à plein. Il perd plusieurs petites déjà et gang pile là-dedans. C'est à cause de Nenel Kasi et bien qui entraîne dans gang du cadre justement et opération la police menée et nous commissaire gouvernement et juridiction et cap haïtien encore une fois qui mène opération côté qu'il y arrivé arrêté quatre individus et bien côté que justement avec n'a pas tout suivre et tant de voix ça après n'a tourné. Merci vous. Nenel qui la colle petite pour mouille. Nenel Kasi me remercie ou Nenel Kasi ou met petit pour dans la rue, mais qu'on y a même pas bon grand petit encore Nenel Kasi. Nenel me remercie ou. Monsieur journaliste, je m'a dit nous bagaille. Bien.
Journée aujourd'hui à l'ESTEM qui mouille à l'autre monde qui tue le Nenel qui l'a cause du mouille. Là, j'aime qu'on aime dépenser, me déporter petit, moi me mettre juste la gonave. Nenel dit petit mounio yo met vini. Il faut école en bas à Riel. Mais le touye petitement. Yo touye. Et qui ça vous demande? Bon, ça vous demande. L'État ici n'est pas bon. Hein. Menti. Ça va gagner, mais m'a dit. Je dis que Nenel Kassi vient de faire mon petit. On va espérer que ce monde de justice soit bien justice. Non, on va pas de justice en Haïti. Nous ne pas bien demander justice. Bon, président Mou, il va une justice, c'est moi-même. Et moi-même, Bouddha Chiré, d'un coup, bon pour moi, il va une justice. Petit toi, qui soit le besoin de faire? Bon, petit menté dans la rue, ensemble avec l'équipe Nenel Kassi. Bon, Nenel, bon bien-aimé, c'est ensemble avec vous, nous avons fonctionné. Dans la rue, je ne parle pas, je dis non. Retirez quoi nous. Mais jusqu'à présent, ils viennent arriver. Depuis pour 2 janvier 2000 combien. Moi, pratiquement, ça, moi, vous voyez la gonave. Côté, il y a un ami de famille. Nenel dit, vous mettez vini. Pas gagner encore, tout bagaille fini. Merci. Et pourtant, Nenel dit. Yo, évidemment, je connais Nenel Kassi, c'est un individu comme un ancien sénateur, et bien, à maintes reprises qui gagnait non seulement la justice de décerner mandat contre lui, mais qui gagnait aussi l'invitation de la DCPJ pour une explication sur certains faits que tu as reproché lui. Nous sommes implication Nenel Kassi dans 4 dossiers et assassinat homme d'affaires là, au niveau d'Elma, et bien, et côté qui justement été invité, côté que tu as eu un couteau. Qui t'a participé à assassiner homme d'affaires, et bien, il t'a venu dans la machine Nenel Kassi, et jusqu'à date, il n'y a jamais aucune explication qui a rapport avec le dossier ça. Et même Jean, monsieur, pas jamais prononcé ce dossier, et justice, il dit, il t'a pris dans Jovenel Moïse, donc on est lorsqu'il a rien à l'étape, installé, c'est ça qu'il devait comprendre, et bien, nous, jusqu'à date, et bien, il a montré à clair que le dossier assassinat de Jovenel, là, il a même participé là-dedans, et ceci, il n'a pas jamais mené enquête. Et pas besoin de permettre la justice justement faire travail. Et bien, nous, c'est dans le cadre de la tournée, Nenel Kassi, mesdames, messieurs, nous avons parlé là, de plus en plus, qui a enfoncé dans justement crime qui fait dans le pays. Et cette fois-ci, nous savons comment Nenel Kassi et consort avec André Michel, qui a arrangé, qui a fini d'utiliser ce blanc tatou, qui a assassiné, qui a même encore, et même Jean-Tou, nous songeons comment il a eu la torture. Te faire tuer un agent de sécurité li, après pour te mettre à la soupe de Jovenel. Et bien, mais c'est ça, de toute façon, là, on fait utiliser un jeune après ça pour pas mettre dossier dans la rue, font gens, ils tuent. Mais il faut que nous dans 4 dossiers. Et bandit ça qui arrive tombé, non lycée, l'Estève est si connu. Et bien, l'Estève ça, c'est un ancien militant politique qui t'a psychique libre dans Donnel Kassi. Et bien, qui est habitué à mettre barricade. Et bien, papa, te parle en entreprise, eh bien, Nenel Kassi lui-même, il était endiosé, monsieur. Eh bien, finalement, Nenel Kassi, cause du arrivé, perdu la ville. Eh bien, top dit comment papa t'a plaint, comment papa lui-même t'a intervenu dans la douceur au niveau Miragouane. Eh bien, si Aliem, qui se dirigeant SDP, qui relait Nenel Kassi, li justifier raison fait que yo prend pouvoir yo retourner le bay Michael Matéli yo gagne yo rete dans pouvoir moi pas accepter me perdu encore mais moi même Anel Belizer moi pour le goumer et moi chita ak bazan si ne pas j'étais Ariel m'a dit tout nèg bien m'a pas pour appuyer président dans l'élection parce que Michael Matéli a président même j'aime te dire pour Jovenel là ou de ça dit bien elle. Nous pral goumen si n'pa jete Ariel. Michael Matéli, président. Sous base ça, Anel Belizer pral goumen la pour jete Ariel. Mboko Kadjou, tande bien mdou, tande bien. Mwen djou, et si Nenel ban mou raison qui justifie que fait pote pouvoir ba Matéli ya? Mbaka lan goumen. La ou pa goumen avel? Non, parce que c'est allié bataille mwen Nenel lié. Li pren pouvoir, li pote ba Matéli. Et nous tenons pouvoir. Pour te changer le système, non? Parce que l'État, ça, c'est l'État anti-peuple, il n'est pas l'État. Non? Donc, on y a là, il campe brip, il remet Michael Matéli au pouvoir. Mais s'il montre, il n'y a pas de 2 ans de l'équipe. L'équipe, nous-mêmes, nous pas qu'à dire, nous pas de bataille comme ça avec. Pas oublier que Yuri, c'est allié, sûr. Boulos, c'est allié, sûrement tout. Mais Boulos, c'est allié, il est là, il est là. Et que
et mon paquet allié dans bataille là même pas gagne mettre si je dis hein je justifie raison pour faire que remettre Michael Martelly pouvoir comment on va le bataille en face s'il convainc ou qui a comportement soit fait me tourner dans pays et me les toute équipe moi dire nous pas le font l'autre bagarre depuis le convainc nous mais s'il pas convainc nous pour le montrer nous pour qui raison qui fait qu'il remet pouvoir par Martelly nous pas aller en bataille jodi là pour nous jeter à yel le ça nous pas mettre un élément neutre et pays a pas cap diriger dans l'illégalité tout conseil de arrêter Ariel apprend que il pas gain pouvoir légal pour ça c'est que et là Mabdou pour qu'on gain accord faut aller chercher un accord qui pourra permettre que tout ça que président que nous va mettre a gain légitimité pour le signer jusqu'à ce que nous aller vers la élection là on parle de un gouvernement de transition bicéphale li clair même pas aucun nèg cap fait non gouvernement gain là li bicéphale lui radio omega et ça pas comprendre comment est-ce que le bicéphale non président Martelly reprend pouvoir dans main Jovenel Moïse. Et lui-même qui l'a comme président. Mais comme je dis, j'ai préparé 2023, il fait retrait, l'a dirigé à distance, il met Ariel Henry comme premier ministre chef du gouvernement. Mal pour vous. Radio Omega. Il est tellement clair que c'est président Michael Kapgoumen. Pourquoi ça fait coordonnateur Paléa accepté que il remet président Martelly Paléa. C'est passé oui. Oui. C'est passé Zéphiré t'es trahi coordonnateur t'es là. On va comment tu parler non. De sans soupir. Comme l'aime n'arriver faut mal battre. Avant aller net, avant aller net. On va quitter mon sous soir ça. Oui, avant aller net Anel faut mon bon me dire ça. On quitter mon sous soir ça. OK. Bientôt m'a dit pour qui raison fait que coordonnateur Paléa national là accepté remettre Michael Martelly Paléa. OK. Quand tu dormi hier soir Anel? Ah quand moi, dans 29 là toujours oui. Et ou pas dans contact avec 99 hier soir? Non. M'beaucoup parler à Youn, m'beaucoup rencontrer à Youn. Faut me venir parler à Nenel avant. Pourquoi ça focus sur Nenel comme ça? Avec m'd'a bataille. Ou gars la bataille samedi. L'équipe qui lit monter équipe pam là pour nous faire mobile ça. M'bloquer pour l'argent. Nenel voyait 254 000 gouttes ban moi. Que m'était dans bataille pour craser système pour changer l'état. C'est que s'il campe bataille la brip, li pote pouvoir ba Michael Martelly, il ka gon raison pour qu'on connaît. C'est que faut qu'on raison avant moi. On est content gagne Anel. C'est ton plaisir. Anel Belize zanmi. Nous va dans conférence qu'a fait dans Delma 64, Kayou il a tortue pour mal dire mon comment faire la gagne dans prison. On va me dire parce que Lambert Ayou il méthode dehors. Pas une personne qui gagne que ghetto yo. OK. Pas une personne qui a gagné Anel Belize qui est ghetto. Ok. Moi, c'est Aïe Yuri, c'est Aïe Lambert. Mais chef, il était moun dans ghetto. M'a pas gagné maître, m'a pas gagné chef. Et m'a dit, moun, m'a dit, moun, baye, yo 5 à 0. M'a montré peuple là dans la conférence de presse là, yo pas même 1 à 0. Claude, tu es là comme ministre Affaires étrangères. Jovenel vient avec Claude comme ministre Affaires étrangères et comme premier ministre. Monsieur Fontitan là, yo man. Rencontre à faire, discussion à faire avec le président de la République. Yo choisi Ariel, mais Ariel peut être installé. Président vient mourir. Claude Guintan là, Claude comme premier ministre APC fait ça le capable. Critique sous Claude. Claude participer dans l'assassinat président. Et Claude pas bon. Claude Sénat qui t'a fait ceci dans la diplomatie. Ouais, Claude Guintan t'es besoin, qu'il y ait pouvoir, etc., etc., etc. Nous tentons d'éliminer et annuler Claude, mais comme Claude lui-même, son nègre qui était dans la politique déjà et qui était dans Grafné, qui compte dans l'université à Cap Goumet, même Jean-Garry Bodo, monsieur, résistait un petit crasse jusqu'à ce que Ariel vini, Ariel Annick vini, rapport sorti sur Ariel, et que Ariel lui-même, il était pas là avec assassin, hein, n'a fini avec Ariel, un médecin qui était là dans le pays, qui a fait opération, etc. Les mounouels, ils ont dit, oh monsieur Ariel Henry, le docteur, chevronné, etc., etc., etc. Monsieur monté pour une chaise politique là, c'est l'assassin, c'est le collaborateur des assassins, il ne mérite pas les honneurs de la République, etc., etc. Nous finissons tout le monde, net. Tout PM net, rejeté et humilié par les gens de la classe politique et par certains groupes de la société civile et du secteur privé des affaires. C'est-à-dire, nous vivons une société d'intérêt. Donc, et Jovenel, il y a Jovenel comme président.
Yo dit monsieur son tyran. Nous tendez qui gère l'opposition. Il dit monsieur son tyran, son dictateur. Monsieur volait l'élection. Et comme l'international, dans la rencontre qu'il a fait, il a expliqué que il était d'accord que c'est Jovenel, et tout est d'accord que Jovenel qui était passé, n'empêche que Nego tout dit Jovenel son tyran, son voleur, son assassin. Et on conseille de l'autre mot qu'on utilisait contre les mêmes. Ok? Et Jovenel mourit, il a assassiné la Cali suite à une coalition de Colombiens et d'Haïtiens, soutenu par des policiers et certains membres du secteur privé qui étaient montrés clairement que hostiles à monsieur. Et je dis, que voulez-vous? Vous voulez que Ariel ait un sort différent des autres PM? Mais c'est le même pays. Ce sont les mêmes politiciens. Comment t'as voulu que Ariel ait un sort différent? Puisque l'opposition a le même objectif là, mettez le premier ministre à terre et prendre le pouvoir. Donc c'est le même discours. Jovenel n'est pas là, mais c'est le même discours. Puisque Evalia Bopantédil, même si tu as une critique par rapport à elle, c'est même Mounioc là. Donc, il n'a pas réussi à prendre le pouvoir. Il faut qu'il mette Ariel à terre. Il est obligé de faire. C'est un rituel dans l'histoire de ce pays depuis les 20 dernières années. Il faut abattre le premier ministre. Donc, si vous voulez changer les données ou bien les donnes, il faut changer les hommes et les femmes qui font partie des partis politiques et qui font de la politique de ce pays. Si vous avez les mêmes hommes et les mêmes femmes, vous n'avez pas changer de politique puisque vous n'avez pas changé eux-mêmes, vous avez le même discours là. Jovenel est mort, mais les fatras voleurs, les politiciens, ils ont préparé tête pour remplacer sous cadavre Moun Matissan, sous cadavre Moun Lasaline, sous cadavre et Babel et Moun qui mourit ça, ou non, Riel Maya, sous cadavre Moun Kafoufeuille, il a préparé pour prendre pouvoir sous cadavre ça. Pas gagné aucun jugement qu'a fait, pas gagné aucun procès pour le fait, que ce soit pour Moun massacré, que ce soit pour Peto Garibé, que ce soit pour Dorval, que ce soit pour Jovenel. Ce sont les mêmes hommes et les mêmes femmes qui font de la politique. Ce sont les mêmes juges. Ou remarquez, ou juge Annick Monté, les courir, ou fait le courir. Ils choisissent l'autre, ou par contre, combien de temps ils peuvent le faire. Mais entre-temps, combien de monde choisit son dossier en Haïti sérieux qui jamais arrivé à bout? Prenons Jacques Roche comme exemple de triste mémoire. Prenons celui que je considère comme, entre guillemets, comme journaliste, hein, et comme discours, comme une équité inspirée, Jean-Dominique. Est-ce qu'il y a eu un juge d'instruction qui fait un bagage sous dossier Jean-Dominique là? Jean est mort, il mourut, il finit. Donc, comment voulez-vous que qu'il y a un juge d'instruction dans ce pays avec les mêmes structures, les mêmes politiciens qui ont le même objectif là pour arriver à joindre justice pour Jovenel? Jovenel mourit, il mourit net. Aujourd'hui, on conspire contre Ariel. On va conspirer contre Moïse Jean-Charles depuis l'arrivée dans zone de pouvoir. Il a conspiré contre Jude depuis l'arrivée dans zone de pouvoir. Lambert, déjà, t'es le président. Il était déjà conspiré contre lui. Et lui-même, il voulait pouvoir tout. Il a conspiré contre Edgar Leblanc, qui te voulait faire tête passer comme un homme sérieux, mais lors de conspiration, ou dans ça, OPL présentait l'image de parti. Et porte-parole là qui vient là, vient répondre moi. Pas d'abord, mais la politique. Ce n'est plus le parti de Gérard Pierson, pour me dire avec élégance. Ce n'est plus le parti de Suzy Castor, parti côté pour descendre en bas, à la séminaire, etc. C'est pas même ça. Parce que c'était parti qui était tout voulu prendre pouvoir en élection. Je dis, pas d'élection. C'est une conspiration et une signature pour arriver, je comprends, pour arriver au pouvoir. Vous comprenez ça?
Eric Jean-Baptiste n'est pas différent. Puisque Eric Jean-Baptiste, il est dans l'ADNP, il fait même mal là tout. C'est même nous, même politicien. Différence peut-être, Eric. Eric est quoi balle, il n'est pas dans le secteur privé. Vous comprenez? Il n'est pas dans le secteur privé. C'est un pays de chien manger chien. Donc, pas un pays là qui va sortir dans une situation de misère côté nous là. Et la presse, ou bien une certaine presse, participe activement dans l'élimination des compétences et participe en règle dans l'élimination de monde ça dans la classe politique là. Tantôt, il faut le dire. Journaliste ça, c'est je dis journaliste ça et journaliste PHTK. Yo dit journaliste ça et journaliste opposition. Mais en même temps, yo dit journaliste ça, son journaliste qui pour la valasse ou bien contre la valasse. Mais qui j'en paye y aille? Nouvelle variée de un groupe à un autre. Un ancien président malade. Ou bien une nouvelle confirmée. Yo dit ou c'est parce qu'on compte président qu'il faut bien une nouvelle la confirmer. C'est pour nous comprendre à quel niveau presse là y est jodia. Ou bien lui, oui. Des gens qui font l'histoire dans ce pays, qui ont 30 à 40 ans comme journaliste de métier, comme si gens qui ont métier dans la main. Ils suivent même comportement à jeunes qui font venir. C'est-à-dire, une nouvelle, c'est une nouvelle. Il est malade, il est malade. Mon pas qu'à dire parce qu'on a une nouvelle là, c'est parce que ou compte ou bien pour lui. Ce n'est pas normal. Bon plein membre de l'opposition a fait des révélations concernant cette opposition. Il a dit clairement que des gens qui t'avaient, le président. Tu as fait des déclarations historiques par rapport à la classe politique là, etc. Même Mounsayo, là où n'est que Koubo Blafin dit ça, comment voulez-vous que ces gens aient encore pignon sur rue dans le parti politique? Parce que sur la base des déclarations faites par Boblan, ces gens sont identifiés comme les ennemis de la nation. Il ne peut pas continuer, il ne peut pas continuer à faire partie des partis politiques. Bon, écoutez, c'est même nèg sa yo k'ap di Ariel ceci, Claude ceci, et tel c'est l'autre bon. Comme si ils veulent prendre le pouvoir et puis diriger peuple ça dans misère. Ces gens ne méritent pas de la patrie. Et je veux porter une petite précision pour Charles de Gaulle hier. Si Jovenel était considéré comme un mécréant, un apatride, pourquoi ne pas considérer ces hommes comme des mécréants et des apatrides? Puisqu'en fait, il va aller Beauplan Montreau, que Beauplan Montreau, que Jovenel était plus bon que Nexao. C'est pas moi. Donc si Jovenel mourit, considéré par l'opposition comme étant un élément de blocage, bon, ces gens-là, est-ce qu'ils doivent continuer à vivre politiquement? Je porte la précision pour vous, Yegol. Politiquement. Ou pas qu'à quitter au vivre politiquement. Parce que ils souhaitent remplacer Jovenel et Beauplan montrer qu'ils sont pire que Jovenel. Donc nous voyons plus mal toujours. Qui est-ce pour nous croire dans le pays ça finalement? Juan. Un pays basé sur la vengeance, le mensonge. C'est un pays, comme j'ai déjà dit, misérable. Un pays où députés et sénateurs pillent l'État. Président a pillé l'État. Députés et sénateurs mettent le grappin sur toute structure qui gagne l'argent à la donne. Ou AVCT, ONA, ENOFNAC, etc.